Pinocchio! Pinocchio! Pitié, rendez-moi mon fils! Désolé, grand-père. Je dois étudier le fonctionnement de cette marionnette. Ce n'est pas une marionnette. Pinocchio est mon petit garçon. C'est plutôt bizarre. Un pantin avec un cœur. Je me demande s'il pourrait aider quelqu'un qui a perdu le sien. Attends un peu. Tu parles de Kairi? Elle t'intéresse maintenant?
Pinocchio. Une marionnette qui se fait prendre son cœur par les sans-cœurs. C'est peut-être la clé pour aider Kairi. Qu'en dis-tu, Sora? Unissons nos forces pour la sauver. Ensemble, on peut y arriver. Quoi? Tu préfères me combattre? Pour une marionnette qui n'a pas de cœur? Avec ou sans cœur, il lui reste tout de même une conscience. Une conscience? Tu ne l'écoutes pas, mais moi je l'entends parfaitement. Et elle me dit que tu es dans le mauvais camp. Dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Pinocchio! Pinocchio! Jiminy, ça va très mal. Oh! Je crois que ça ira. Oh, what good!
Alors, Kairi est devenue une poupée sans vie? Exactement. Et son cœur a été... emporté par les sans-cœurs, sans aucun doute. Dites-moi ce que je dois faire! Il y a 7 jeunes filles au cœur pur. Nous les appelons les princesses de cœur. Réunis-les toutes, et une porte conduisant au cœur de tous les mondes s'ouvrira. Là se trouve une sagesse inouïe. Tu y trouveras sûrement le moyen de récupérer le cœur de Kairi. À présent, je vais te faire un don merveilleux. Le pouvoir de contrôler les sans-cœurs. Patience, Kairi. Bientôt.